tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah, écoutez, moi, je vais très, très bien. Donc, j'espère que de votre côté, il en est de même. Donc, on va continuer les guidances donc, pour octobre. Donc, voilà. Donc, on va voir un peu. Hein. Allez, on y va. Je vais mettre sur la table et on va en prendre une. Donc, là, j'ai les poissons. Donc, poissons pour octobre 2020. Donc, prenez. Vraiment ce qui vous parle, ce qui vous parle pas, tout simplement, vous le laissez. Allez, on y va. Donc là, moi, pour les poissons, j'ai pas mal d'invitations. J'ai des invitations, j'ai des sorties, hein, des propositions un peu comme ça. Mais moi, j'ai l'impression que soit vous allez refuser, soit il va y avoir des incidents. Problème par rapport à ces invitations, ces sorties, j'ai l'impression que ça va poser problème. On parle aussi, alors on parle du domicile. Alors je vois des invitations, je vois des personnes, je vois du monde, hein, je vois du monde, des invitations, des personnes qui vont venir chez toi, ou toi qui vas aller chez quelqu'un, on va te proposer, ou inversement, hein, des choses comme ça. Et puis par rapport, je vois des choses assez chaleureuses hein, qui arrivent pour les invitations, des rencontres, des invitations, des propositions, qui peuvent aussi avoir un lien avec aussi des signes de feu, hein. Voilà, des choses comme ça. On parle de beaucoup d'abondance d'ailleurs par rapport à ces invitations et ces rencontres, hein, qui arrivent donc pour les poissons. Donc c'est plutôt pas mal. On parle aussi de vacances. Je vois des vacances qui arriveront et qui vont amener beaucoup d'abondance aux poissons. Donc, il y a pas mal de bonnes choses. On parle aussi de quelqu'un qui va te prêter ou qui va te donner de l'argent. Après, ça peut être toi également. Hein, mais on parle de ça. On me parle aussi d'un défunt, et je sais pas. Alors, ça peut être un défunt qui t'aide à ce que tu aies de l'abondance dans ta vie, pardon, mais ça peut être aussi de l'argent en lien avec un défunt. On me dit ça. On me parle d'idées, de projets par rapport aussi à un défunt. Hein, donc ça peut être des idées que un défunt te souffle ou on te guide dans la création de projets hein, personnels comme dans ta vie professionnelle. Mais on parle de ça pour les poissons. On parle aussi d'une signature par rapport à un défunt. Moi, je vois des papiers qui vont être signés. Donc des papiers à faire concernant un défunt. On parle aussi comme si on sentait des choses, hein, comme si on sentait des choses par rapport à tes ressentis ou de la clairvoyance, comme si tu sentais que tu allais signer quelque chose, un contrat, ouais, un truc comme ça, un contrat, des papiers, des choses assez importantes pour les poissons. Donc là, on me parle de solitude. Donc je te montre. On parle de solitude, on peut se sentir isolé, on peut se sentir seul, hein, un sentiment vraiment que tu n'es pas assez entouré, que vraiment tu es trop isolé, tu peux te poser des questions sur des tas de choses, mais il y a vraiment ce profond sentiment d'être seul. Donc là, on me parle d'un homme. Donc ça peut être toi. Que tu es célibataire et que ben voilà la solitude parce que ça peut être un homme aussi hein, mais il y a ce truc de solitude où on pense beaucoup ça peut être un homme tu penses à un homme aussi qui peut se sentir seul et qui peut penser aussi à une femme hein. Donc on parle de choses comme ça. Donc là on me parle de rapidité dans des sentiments où on se sent seul.
Après, ça peut être aussi que tu connais cette personne, hein, tu peux être en couple avec cette personne, mais tu peux te sentir seul aussi, hein. C'est pas parce que tu as quelqu'un dans ta vie que forcément tu ne te sens pas seul dans ta vie, hein. Ça ne veut rien dire. Ensuite, on parle de changement. Donc pour moi, on parle de vraiment de solitude, hein, d'une femme. Un homme, moi, je vois ces gens qui se sentent seuls. Et on parle de rapidité dans des choses vraiment où on va se sentir peut-être encore plus seul. Et on parle qu'il va y avoir des changements dans la rapidité dans la vie de cet homme et de cette femme qui, pour moi, se sentent seuls. Donc, des changements aussi dans leur vie, mais aussi des changements dans la rapidité par rapport à leur famille. Leur famille, des changements aussi au niveau de la santé, parce que ça va devenir de plus en plus pesant, ce sentiment d'être seul, de ne pas être soutenu. On me parle de changement, et là on me parle de l'univers. Voilà. On parle de l'univers, de changement qui arrive. Donc, il y a des choses qui vont changer. Je vois des changements où on le sait, on a foi dans ces changements, on a foi dans l'univers. Mais on parle aussi de lenteur dans ces changements. Mais on parle de rapidité dans le fait où on se sent très seul. On parle aussi de lenteur, des choses qu'il faut laisser faire dans ces changements. Hein, par rapport au sentiment qu'on se sent seul, il y a encore des choses où il faut laisser faire. Hein. Et on parle d'ailleurs que de lenteur par rapport au départ. On parle aussi héritage. Donc, quand on parle héritage, pour moi, il y a de la lenteur aussi dans ce départ parce que il y a aussi, ça peut être la famille, ça peut être des enfants, le monsieur, ça peut être toi, ça peut être les deux. Mais il y a une lenteur dans ce départ par rapport à l'héritage. Des choses à régler. Par rapport, si tu veux, ce qu'on transmet quand tu as des enfants et que tu as des choses à leur apprendre, les éduquer, la transmission. D'accord? Et il y a des choses assez longues. On parle d'amitié aussi. Hein. Là, on parle d'amitié. Je vois quelqu'un qui va. Mais c'est lent. Je vois un départ aussi des choses qu'on va. Ça peut être aussi un héritage de quelqu'un qui t'apprécie. Un ami, une amie qui va te léguer des choses ou te transmettre des choses. On me parle d'un départ, d'un héritage, des choses qu'on va transmettre à un ami. Mais par rapport à ces amitiés ou cette amitié, on parle d'écroulement, de choses qui se sont effondrées ou qui vont s'effondrer. On parle de faillite. Mais par rapport à ça, moi, on me parle de protection, hein. On est très protégé par rapport à cette situation. J'ai vraiment la protection. On prie, on se protège, on est protégé aussi par l'univers. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelqu'un qui protège une personne, hein. J'ai aussi une protection, quelqu'un qui prie par rapport à la santé de quelqu'un. Je vois des choses lourdes, assez pesantes au niveau domaine médical, hospitalier. Je vois des personnes malades ou qui vont aller à l'hôpital ou qui peuvent être déjà à l'hôpital. On me parle de la solitude d'une femme. La solitude d'une femme présente ou à venir. Et puis dans cette solitude, je vois de la peine, je vois des pleurs, mais
Il y a quelqu'un d'autre lié à tout ça. C'est comme si deux personnes se sentaient trahies vis-à-vis de l'un ou de l'autre, de l'une ou de. Tu voyais ce que je veux dire? C'est mutuel. Il y a la solitude des deux côtés qui est présente ou qui le sera. Et dans cette peine, ces pleurs et cette trahison ou qu'on ressent ou qui est réelle, on la prend des deux côtés, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Les deux personnes se sentent très seules, ont beaucoup de peine, des pleurs, quelque chose vraiment de profond, et c'est des deux côtés. Pour moi, ces deux personnes se sentent trahies mutuellement vis-à-vis de l'un et de l'autre. D'accord? On me parle d'un homme qui se sent très seul vis-à-vis d'une femme. Et une femme également. On me parle de finances, d'argent, pour ces deux personnes qui doivent bien gagner leur vie. On me parle, j'ai la peine, c'est lourd, c'est pesant. J'ai des pleurs, une profonde tristesse, malgré que l'on ait de l'argent, ça ne va pas. On me parle d'un homme âgé, on parle de ses finances. Je vois de la trahison, je vois de la peine, mais c'est mutuel, hein, c'est des deux côtés, hein. On le prend mal des deux côtés. Il y a la peine, il y a les pleurs. Donc là, j'ai le signe d'eau, d'accord? J'ai le signe d'eau, j'ai cet homme âgé. J'ai pas mal de finances, cet homme se sent trahi vis-à-vis d'une femme et inversement. Hein. C'est un homme qui, pour moi, a plus de 60 ans. L'autre, pareil, il y a une forme de peine, de trahison qu'on ressent vis-à-vis l'un de l'autre, vis-à-vis aussi d'une femme et d'un homme, et celui âgé aussi. Mais c'est mutuel, hein. Tout le monde se sent trahi vis-à-vis de quelqu'un. Donc ensuite, c'est vrai que par rapport à l'homme âgé, on parle de rapidité et le signe d'eau, on parle de changement qui va arriver et on parle, parle du signe d'eau, on parle de ce monsieur âgé, on parle de jalousie. J'ai une forte jalousie dans le cœur, alors ça peut être l'homme âgé, le signe d'eau, on peut être jaloux de ce monsieur, il peut être signe d'eau ou inversement. Mais il y a la jalousie. Le cœur rempli de venin, des propos durs, vénéneux. On me parle de la maison. J'ai beaucoup de lenteur au domicile. D'accord? Par rapport à la jalousie, tout ce qui peut être présent. On parle de personnes qui passent au-dessus de ça et qui se laissent guider par l'univers. Après, c'est vrai qu'on parle d'une situation par rapport au domicile. Moi, j'ai beaucoup de jalousie. Hein? Et il y a le signe d'eau. Et le monsieur âgé. Et l'argent. Peut-être aussi qu'on est jaloux de ce monsieur. Hein? Signe d'eau. Ou alors, ce monsieur par rapport à un signe d'eau, par rapport à la maison. Mais bon. On me parle d'un jeune homme. Hein? On me parle d'un jeune homme, on me parle de la maison. D'accord? Et par rapport à ce jeune homme, j'ai le monsieur âgé. J'ai beaucoup de jalousie par rapport à un domicile. Les finances, l'argent, bon, beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a aussi quelque chose avec l'argent. Hein, la jalousie d'un jeune homme. On me parle de ce jeune homme, de tout ce qu'il peut faire à la maison, hein, ou à l'extérieur. On me parle de ce jeune homme, d'un côté créatif, artistique, de tout ce qui le passionne dans la vie. Mais il est jaloux ou il est jaloux. Il a une jalousie par rapport à ce monsieur qui est âgé. Puis on parle de ce jeune homme, d'un départ qui va arriver dans sa vie par rapport à des choses où
des choses qui sont lentes dans un nouveau départ pour lui par rapport à des choses qu'on transmet à de la jeunesse, ce jeune homme. On me parle de la maison. J'ai ce jeune homme, un côté très créatif, artistique, passionné, je pense, de différentes choses. Et moi, je vois quelqu'un qui va déménager. D'accord? J'ai un déménagement. On me parle du printemps. Donc moi, je vois quelqu'un qui déménage. On me parle de rapport. Donc, il y a des choses qui arriveront au printemps, mais ça peut être aussi des choses qui sont déjà arrivées au printemps. Moi, j'ai des personnes ou une personne qui n'aime pas des gens. Il y a vraiment des ennemis qui vont se mêler de tout ça, hein, dans la maison, le déménagement d'une personne. On me parle d'une femme. Une femme qui a entre 30 et 50 ans. Cette femme a des ennemis, des personnes qui ne l'apprécient pas. D'accord? C'est quelqu'un face à cette situation où des personnes ne l'aiment pas ou une personne qui ne l'aime pas. On parle de protection face à ces personnes ou cette personne. D'accord? C'est quelqu'un de toute façon qui prie, qui est très protégé. D'accord? On me parle pour cette femme. Attention, elle peut recevoir ou on peut lui proposer des sorties, des invitations. Mais attention, ces personnes ne t'aiment pas ou ne t'aimeront pas. D'accord? On me parle aussi d'une personne qui se sent seule, qui souffre, qui pleure, qui a beaucoup de peine. Il y en a une autre. Je vois quelqu'un d'autre. On parle de rival. Donc, une autre femme qui, elle aussi, se sent très seule ou va se sentir très très seule, va se sentir déçue, trahie, mais mutuellement, deux femmes. De la peine, des pleurs, voilà. On parle d'une femme rivale à quelqu'un. On me parle que par rapport à cette femme, rivale vis-à-vis d'une personne, je vois un homme qui va avoir des soucis, mais des gros soucis par rapport à de l'argent. On ne parle que d'une trahison par rapport à une autre femme. On me parle. Alors là, on me parle d'un homme qui va avoir des gros soucis dus à une autre femme. Moi, je vois deux femmes. Et de gros soucis, parce qu'il y a un truc avec deux femmes. D'accord? On me parle de cet homme qui a entre 30 et 50 ans. On me parle de cet homme, d'une passion. D'accord? Il a une passion présente ou à venir pour une femme. Et je vois que dû à ce qu'on ressent ou ce qu'on va ressentir pour cette femme, ça va prendre la tête. On va se casser le chou. On va cogiter. Parce que il y a une autre femme. Il peut y avoir aussi qu'on sent qu'on a une passion pour deux femmes, mais de gros soucis. Et puis, on parle de cet homme, mais j'en ai un autre qui est plus âgé, qui a au moins 60 ans. Il y a de la lenteur vis-à-vis de ces deux hommes, c'est très très lent. Ces deux hommes, pour moi, il y en a un, on parle de signe d'eau, il y a une passion, ces deux hommes vis-à-vis d'une personne. Il y a beaucoup de lenteur, d'accord, dans des changements. Par rapport, deux hommes, une passion pour quelqu'un. Amoureuse, hein? On parle d'un homme qui a de gros soucis parce qu'il a pas mal d'abondance dans sa vie. Et il se prend la tête parce qu'il y a une autre femme. Donc, c'est une situation prise de tête où on cogite.
Et puis, par rapport au signe d'eau, la passion, j'ai l'impression qu'il y a deux hommes, des choses comme ça, ou alors ça va arriver. Il y a aussi, par rapport au signe d'eau, le monsieur âgé, l'autre monsieur. Il y a, par rapport au signe d'eau, ces deux hommes qui ont vraiment une différence d'âge. Il y a aussi, je vois beaucoup d'abondance. Je vois de la jalousie par rapport à l'argent. C'est très compliqué. On me parle que, en plus, c'est quelqu'un qui a pas mal, celui qui est plus jeune, 30-50 ans. On parle vraiment de chance par rapport à son abondance financière, professionnelle, de la chance aussi dans cette passion, mais il a des soucis par rapport à une autre femme. D'accord? Donc on parle de lenteur au niveau de certaines choses à régler au domicile, mais on parle de chance malgré cette lenteur. On me parle de la fin. Donc la fin de la rivalité avec une autre femme. Donc moi, il y a une page qui va se terminer. On tourne une page par rapport à une rivale féminine. Un homme qui se prend la tête à l'heure actuelle. On me parle aussi de couple dans certains cas. On me parle de couple, mais on me parle d'infidélité, hein, dans certains couples. On me parle de ces couples, je vois que dans ces couples et avec toutes ces personnes, hein, le couple, la personne avec qui on a une infidélité présente ou à venir, on parle de transmission à de la jeunesse, donc des enfants, on parle aussi de personnes assez créatives, artistiques, des personnes qui aiment partager énormément de choses avec les autres. Donc pas mal de discussions, des choses comme ça. Donc là, moi, on me parle de quelqu'un, alors un couple, l'infidélité, mais je vois que on vit ça bien. Il y a quelqu'un qui, malgré qu'on n'est pas fidèle dans la relation, je vois quelqu'un qui le vit bien. Vraiment une harmonie par rapport à ça. Mais le problème, c'est que pour moi, ça ne durera pas. Il y aura une fin de toutes les façons. Okay. Par rapport à ça, on parle vraiment qu'il faut avoir une patience. Parce que je vois quelqu'un qui ne s'inquiète pas, hein, de cette situation où on est infidèle et on est en couple. Je vois vraiment quelqu'un qui ne s'inquiète pas vraiment de la situation. Bon, ensuite, c'est vrai que on parle qu'il faut avoir de la patience. Parce qu'on parle qu'à l'été, il y aura une bonne nouvelle par rapport à cela. D'accord? Puis pour une femme, on parle que par rapport à des prières qu'elle doit faire, des vœux qu'elle doit faire, il y a vraiment une bonne nouvelle qui arrive. Et puis, j'ai aussi une bonne nouvelle par rapport à un médecin. On parle qu'il y a une bonne nouvelle, il faut avoir de la patience, hein, il y a quelque chose. Et puis, on me parle d'un médecin dans le milieu hospitalier. Je vois des conflits, je vois des tensions, je vois des rencontres, je vois des discussions, je vois des choses comme ça, assez compliquées. On me parle aussi d'éveil spirituel, dans le fait qu'on est trahi, on pleure, hein, des choses comme ça. Et puis je vois deux femmes vraiment, elles peuvent être rivales l'une à l'autre. Après, ça peut être aussi des femmes qui se font trahir. Hein, mais je vois les pleurs, je vois la rivalité de femmes, je vois les pleurs, je vois la solitude, je vois la trahison. C'est assez lourd. Et on parle que par rapport à ça, on va s'ouvrir de plus en plus à la spiritualité parce que moi, on me parle de douleurs qui font élever. Et là, on me parle d'élévation spirituelle, mais en même temps, on parle de choses qui vont s'arrêter, des choses qui vont se couper. Et puis, par rapport à ce monsieur, hein, qui se prend la tête, hein, par rapport à une forme de trahison financière, par rapport à une femme rivale, qui se prend la tête, on parle aussi d'un événement qui va arriver et une décision assez fauchante d'une personne. On parle que quelque chose va s'arrêter précipitamment. Mais on parle que c'est mieux. On te parle de paix.
On parle que tu vas te sentir beaucoup mieux. On parle de la fin d'une situation, on parle de paix retrouvée au travail, de choses comme ça aussi, hein. Alors là, et au travail, ça peut être aussi la création d'une entreprise. On parle de changement aussi par rapport à des signes d'eau, dans une passion sentimentale, où vous allez vous sentir libre dans votre relation qui va changer. Et aussi, on parle de deux personnes qui peuvent, ou l'autre, ou même les deux, être dans une profession libérale ou avoir le projet de le faire. D'ailleurs, on me parle de paix professionnelle, réussite dans le cadre pro. Et du coup, on parle qu'il y a beaucoup d'abondance à venir et beaucoup de jalousie par rapport au signe d'eau. On me parle de flammes jumelles aussi, de quelque chose qui prend fin, mais on retrouve la paix dans le professionnel et avec sa flamme. D'accord, on me parle de lenteur dans un domicile, mais la chance avec la flamme jumelle. Donc patience. On me parle qu'on va retrouver une guérison auprès de sa flamme jumelle. On parle qu'un ange est là. On parle de flamme jumelle et on parle d'un ange auprès de sa flamme. Ou alors tu es un ange pour ta flamme. Mais on parle de ça. On me parle d'une femme qui ressent beaucoup de choses pour sa flamme jumelle. On me parle d'une femme qui ressort comme un ange. D'accord? On me parle d'une femme de cœur. On me parle d'une femme qui ressent l'amour et qui est aimée par les anges. Une femme amour. Une femme qui guérit sa flamme jumelle. D'accord? On me parle d'écroulement, d'effondrement au printemps. Hein? On me parle de patience, d'un effondrement en amour pour certaines personnes, mais il faut avoir de la patience. On me parle du signe d'air. On me parle du signe d'air, on me parle d'amour pour les signes d'air. On me parle d'une femme qui ressort comme un ange. Et on parle d'amour entre le signe d'air et une femme. On me parle des signes d'air et on me parle qu'ils sont protégés par rapport à des ennemis, parce qu'on parle qu'ils ont vraiment des ennemis. Les signes d'air, on parle d'un attachement à une femme, une fidélité entre la femme et l'homme. On parle d'amour, d'accord? On me parle d'une femme qui prie, qui va être exaucée à une bonne nouvelle par rapport à une fidélité et un attachement à une personne. On me parle aussi des signes d'air. On parle d'un procès. Donc, je vois un procès qui arrive pour les signes d'air. Il y a un lien, un attachement à quelqu'un par rapport à ce procès. Ça peut être sentimentalement. Donc, il y a un attachement, il y a une forme de fidélité à quelqu'un. Mais moi, j'ai un procès. D'accord? Pour des signes d'air, en lien avec de l'amour. Okay? Par rapport à ce médecin qui peut travailler dans le domaine hospitalier, pour moi, lui, je vois des rencontres, des choses comme ça, il va parler. Et lui aussi, pour moi, il y a un procès. Ça peut être dans le cadre pro, comme autre chose. Mais pour moi, il y a un procès. D'ailleurs, il y a une autre femme. Donc, il y a du sentimental, il y a un attachement. J'ai l'impression qu'il travaille dans le monde hospitalier et j'ai également un procès, un divorce, des choses comme ça. Donc là, on me parle de l'hiver. J'ai des bonnes opportunités dans le cadre professionnel, hein, voilà, qui arrivent, hein. J'ai des opportunités dans le cadre financier pour un monsieur qui a entre 30 et 50 ans, des bonnes opportunités et des nouvelles qui vont vraiment apaiser quelqu'un dans le cadre ou de son entreprise ou la création d'une entreprise. On me parle du signe de terre. On me parle de l'hiver, une bonne opportunité, des nouvelles, des communications pour les signes de terre. D'accord? Peut-être aussi par rapport à de la terre.
Concernant les signes de terre, j'ai aussi des choses qui vont changer pour les signes de terre et les signes d'eau. Hein, des changements dans une passion et aussi par rapport à une profession libérale ou auto-entreprise. On me parle aussi de nouvelles en lien pour les signes de terre, des opportunités en lien avec de la famille. On me parle de succès d'ailleurs, mais du succès des signes de terre et de la famille, mais j'ai vraiment de la jalousie. On me parle d'une famille et du signe de terre. Moi, on me parle de blessures, les signes de terre, je vois de la communication, mais des blessures qui vont ressurgir. On me parle de la flamme jumelle, de la chance avec sa flamme jumelle, de bonnes choses qui arrivent, mais de la lenteur. On me parle de blessures, donc pour la famille des signes de terre, mais des blessures. Mais malgré ça, on parle de bonheur, d'accord? Et de guérison. Mais il y a quand même, malgré tout ça, de la déception. Hein, il y a des blessures dans cette famille. D'accord? Et puis j'ai certains couples, hein, moi je demande la déception. Hein, la déception par rapport à des enfants, la déception dans la relation. D'accord? On parle aussi de déception à l'automne. Pour les signes de terre, déception dans le cœur, de grosses blessures qui vont ressurgir. Mais là, on parle que ben, malgré les blessures et la déception, à l'automne, il va falloir vraiment lâcher prise, prendre une décision. La famille, les signes de terre, hein, parce qu'on va être très déçu. Des blessures qui vont remonter. Et on parle de transformation, de lâcher prise, d'un nouveau départ. Et puis, on parle d'effondrement sentimental, des relations qui ne vont pas marcher. Personnes. Donc, un lâcher prise sentimentale, on va ressentir beaucoup de choses, beaucoup de déceptions, mais un nouveau départ avec quelqu'un d'autre. Ensuite, on me parle du signe d'air et on parle de signes d'air qui peuvent être malades ou avoir des personnes malades, une maladie, on peut être malade aussi du cœur. D'accord? Je vois aussi des personnes vraiment qui ne veulent pas du bien à des signes d'eau, hein. D'eau, d'air, pardon. On me parle d'une jeune femme. D'une jeune femme qui peut être travaillée dans le domaine hospitalier, être médecin, avoir un attachement et être mariée avec un médecin. Le milieu hospitalier, un attachement, mais moi, j'ai un procès. Pour moi, il y a une séparation. D'accord? J'ai aussi quelqu'un qui va essayer, par rapport à cette jeune femme, on parle de lâcher prise, de décision, mais je vois vraiment que ça va pas être facile, hein. Donc là, on me parle de surprise qui va arriver, quelqu'un qui va avoir besoin d'aide, de soutien. D'accord? On me parle à l'hiver, hein, parce que des choses vraiment qui s'arrêtent aussi par rapport à de l'argent. On va vraiment se prendre la tête. On me parle de quelqu'un vraiment qui va être choqué d'apprendre certaines choses. On va avoir besoin de l'aide et du soutien de quelqu'un parce que quelqu'un qui va être, qui est énormément manipulé. On me parle de nouvelles par rapport à cette personne et le signe de terre. Donc là, on me parle de manipulation dans une union. Hein, il y a un lien avec le signe de terre. Donc une union, on manipule quelqu'un dans le couple. Donc on va être très surpris et on va vraiment avoir besoin de l'aide de quelqu'un. D'accord? Et on parle aussi alors de nouvelles pour le signe de terre. Hein, j'ai la famille, il y en a, on parle, bah, ils sont en couple, ils sont mariés, des choses comme ça. Mais il y a une très mauvaise surprise qui arrive. Je vois aussi une manipulation, quelqu'un qui donne de l'argent à une personne. Beaucoup d'émotions, je vois de la peine dans des couples. Quelqu'un qui travaille, qui donne de l'argent dans le couple. Je vois aussi là, ce couple-là. Je vois un autre couple et par rapport à l'autre couple, c'est lourd dans ce couple. On est très déçu du couple, il y a la peine, des émotions assez lourdes. Hein. On me parle aussi d'une femme âgée
vas avoir de la peine par rapport à une autre femme plus jeune, par rapport à une union. On me parle, pour moi, la femme âgée, c'est sa mère. Je vois que la dame, l'autre, elle est mariée, elle a des enfants. Je vois beaucoup de peine qui va arriver. Et je vois, il y a quelqu'un qui est comme sous un envoûtement dans un couple, hein. Et je vois beaucoup de problèmes. Et puis, on va avoir vraiment, par rapport au couple, des pensées très négatives. Ah, et puis, alors, pendant ce procès-là, de ce couple qui se sépare, ça va pas être facile, hein. Et puis, je vois quelqu'un qui subit des violences physiques ou morales. On peut même frapper quelqu'un. La personne se sent très seule. Je vois des pleurs, de la tristesse. Il y a une rivalité féminine. On va être choqué, d'apprendre certaines choses. Après, on peut se tourner à un moment donné vers un éveil spirituel, des choses comme ça. Et puis, moi, je vois quelqu'un, par rapport à ça, qui est noir, qui est sombre, qui veut du mal à la personne. Et on va avoir vraiment besoin d'aide. D'accord? C'est quelqu'un qui a toujours des idées diaboliques, qui fait des projets contre la personne. On veut manipuler au domicile. Il y a des projets. Là, on parle vraiment que par rapport à cette personne, il va falloir faire des choix. C'est comme si on voulait te pousser, je sais pas où. C'est vraiment très mauvais, hein. Moi, je vois le choix au niveau du couple, hein. Je vois des secrets. On va parler en cachette, cette personne qui est noire, dans ton couple. C'est très mauvais. Le lien pour moi est brisé. C'est un lien karmique cassé. D'accord? Même au niveau de la sexualité. Ah, et puis, je vois cet autre couple, là aussi. Je vois la déception dans la sexualité. Ah, on est triste. On a envie d'être avec une autre personne. Ah, on parle de ta flamme jumelle. On est déçu. On a de la peine. On parle d'ailleurs d'un lien karmique qui est cassé. Donc, des choix. On parle que par la suite, il y a la naissance d'autres choses. Au niveau d'un autre couple, hein, j'ai même l'impression qu'il va y avoir un bébé dans certains cas. Après, c'est vrai que pour certains, il y a une rivalité masculine, hein, masculine. J'ai l'impression qu'il va y avoir la naissance de quelque chose, ou un enfant. Il va avoir une rivalité par rapport à une signature. Et puis là, le couple qui va se séparer au niveau des papiers, ça va être compliqué, hein, ça va être la guerre. Hein, moi, je vous le dis. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.